Bonjour, monsieur Mamadi Doumbia, président de la transition guinéenne. Bonjour à tous les membres de CNRD sans distinction. Bonjour à tous les peuples guinéens sans distinction. La Guinée, République de Guinée, s'est retrouvée soumise à une profonde crise socio-économique, politique et culturelle. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance. Monsieur Mamadi Doumbia, président de la transition guinéenne, chef suprême des forces armées guinéennes. La Guinée, on se retrouve avec une profonde crise socio-économique, politique et culturelle. Monsieur Mamadi Doumbia, on vous demande de nous donner la date précise, le durée de mandat, le durée de la transition. On a besoin que vous nous expliquiez le durée de la transition. Dans 2 semaines qu'on vous donne, dans 2 semaines, on vous donne de nous donner les jours et de l'heure de la date de l'élection, de chronogramme de l'élection. Le jour et de l'heure. Sinon, il y a certaines choses qu'on peut mettre à la place publique. Et ça ne sera pas bon. Donc, chaque personne a une arme de se défendre à sa manière sans prendre les armes de guerre. Nous, la Guinée, on a besoin de la paix, la harmonie, le bon vivre ensemble. On n'a pas besoin d'affrontements, on n'a pas besoin de confrontations, on n'a pas besoin d'instrumentaliser sur la base de l'ethnie. Monsieur Mamadi Doumbia, ce qu'on vous demande, le chronogramme de l'élection, le durée de la transition, c'est ça qu'on vous demande. Quel jour, quelle heure vous allez organiser l'élection libre, transparent? C'est ça qu'on vous demande. Parce que le Guinée n'acceptera pas les manipulations continuées dans notre pays. Et donc, au jour aujourd'hui, la Guinée est en danse. C'est que le temps de Alpha Condé, le 5 septembre 2021, le jour que vous avez fait le coup d'État, le danse qui est gangrène dans notre pays, pour instrumentalisation d'administration publique, pour ethniser des gouvernements guinéens, pour ethnisation, instrumentaliser les gabecis financiers, la pauvreté, la corruption, les discriminations, que la Guinée s'est retrouvée le 5 septembre, qui vous avait poussé pour faire des coups d'État, au jour aujourd'hui, c'est plus pur que ce qu'hier. La situation a gravité. Au lieu d'améliorer la situation s'est aggravée. Donc, le Guinée ne acceptera pas. On ne acceptera jamais être soumis maintenant. Trop, c'est trop. Pour missiler, une missilation à tous les peuples guinéens. Donc, nous, les populations guinéennes, on n'acceptera pas être ni soumise, ni être influencé, ni être manipulé par qui que ce soit, son pouvoir ou bien son influence. Le Guinée n'acceptera pas. Nous sommes dans la situation de la Guinée est profonde, est profondément grave et profondément densieuse. C'est la densité qui nous guette aujourd'hui. Comme le jour que vous avez fait des coups d'État, donc vous nous avez nourri de la promesse comme Alpha Condé, les papas promesses de Alpha Condé. Maintenant, vous devenez plus pur que papa promesse de Alpha Condé. Si ils ont de bons discours, contenu vide, vous êtes sans pire.
vous dit que vous avez fait le coup d'État parce que il y a des gabecis financiers. Vous dit que vous avez fait des coups d'État parce qu'ils sont instrumentalisés dans l'administration guinéenne. Ils ont politisé l'administration guinéenne. Vous avez dit que l'injustice qui vous avait poussé pour faire le coup d'État. Vous dit que la corruption et la pauvreté, la discrimination, l'ethnisation qui vous avait poussé pour faire le coup d'État. En un mot, vous dit que vous avez fait le coup d'État parce que il y a des mal gouvernance. La Guinée est, l'unité nationale est menacée. Bon vivre ensemble est menacé. Donc il y a des crimes de sang, il y a des crimes économiques, il y a des crises, il y a des crises sociales, il y a des crimes contre l'humanité, il y a des oppressions des populations guinéennes, il y a des tueries aux populations guinéennes. C'est ça qui vous avait poussé pour faire des coups d'État le 5 septembre. Maintenant, au jour aujourd'hui, instrumentalisation de l'administration guinéenne est plus pure qu'hier. Aujourd'hui, la ethnisation ethnocentriste, gouvernement ethnocentriste est plus pire aujourd'hui que le temps de Alpha Condé. Aujourd'hui, monsieur le président, opprimer des populations guinéennes, privatiser l'administration guinéenne est plus pure que le temps de Alpha Condé. Aujourd'hui, il y a des extrêmes pauvretés plus que le temps de Alpha Condé. Aujourd'hui, il y a des gabecis financiers plus que le temps de Alpha Condé. Aujourd'hui, il y a la corruption, il y a des prévarications administration. Il y a une grande corruption au sein de votre gouvernement plus que le temps de Alpha Condé. Aujourd'hui, il y a la discrimination, il y a l'impunité, il y a l'injustice, il y a comme la justice n'est pas libre et travaille honnêtement, vous avez privatisé la justice. La justice est influencée pour les membres de CNRD. Aujourd'hui, la justice n'est pas transparente, la justice n'est pas libre dans son action. Donc, aujourd'hui, il y a une partie des populations qui est discriminée, qui est opprimée, qui est bafiée dans son droit. Vous pensez que vous pouvez vivre dans l'harmonie avec une personne là où tu es en train de massacrer la personne, là où tu es en train de privatiser la personne, là où tu es en train de mettre une grande pression contre la personne. Tu penses que vous pouvez être d'accord avec la personne? Il y a des mondes modernes maintenant, le ZAN, ce qui est possible hier, ça ne sera pas possible aujourd'hui, monsieur le président de CNRD. Monsieur Mamadi Doumbia, donc, quand on dit l'homme, c'est la parole. Mais vous avez bafié votre parole d'honneur. Vous avez violé votre parole d'honneur. Vous avez sous-estimé votre parole d'honneur, que le parole d'honneur que vous avez donné aux populations guinéennes. Donc, vous nous avez nourri la promesse. Vous avez fait le grand promesse. Vous pensez que le Guinéen va continuer à vivre dans les faux promesses. Le Guinée ne s'acceptera pas pour continuer à vivre dans les fausses promesses. On voulait voir la réalité maintenant, on voulait voir les actions concrètes, on voulait voir ce que tu dis, c'est ça que tu vas faire. C'est entre le dire et le faire, le Guinée voulait voir la réalité aujourd'hui. Monsieur le président de la transition, votre agenda pour venir déstabiliser une partie de la population guinéenne. Votre agenda pour venir défendre votre intérêt personnel, pas intérêt de la République de Guinée. Votre action, c'est pour venir appauvrir la population guinéenne, pas pour construire la Guinée, pas pour progresser la Guinée. Votre action, c'est pour venir déstabiliser la institution républicaine, pas pour venir renforcer la institution républicaine. Votre action, pour venir influencer la justice, venir manipuler la justice et venir influencer la justice, pas pour venir renforcer la justice, pas pour venir donner une justice indépendante à la Guinée. Votre action aujourd'hui, c'est totalement contraire à ce qu'est la réalité. Monsieur le Président, votre action aujourd'hui,
C'est pour influencer et manipuler, intimider la médiatique, la média guinéenne. La média guinéenne, il y a pas la liberté d'expression, ça n'existait pas en Guinée. La liberté de penser, ça n'existait pas en Guinée aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Liberté de penser, liberté d'expression, liberté de circulation doit être libre et transparent. Toutes les personnes, tout le monde a le droit de vivre en paix. Tout le monde a le droit de vivre dans la paix, dans l'harmonie. Donc, l'intégrité de la nation, l'intégrité des citoyens, sécurité des citoyens, accompagnement des citoyens, ça c'est une obligation pour l'État. Donc, mais nous on voit aujourd'hui, c'est le contraire dans notre pays. Monsieur le Président, population guinéenne vous demande le jour et de l'heure. Quel jour, quelle heure vous allez organiser des élections libres, transparentes. Pour que vous vous rentrez dans les bonnes histoires, pour que vous laissez les bons exemples au peuple guinéen, pour que vous sortez dans les grandes portes au lieu de sortir dans les petites portes. Je vous avais dit hier dans mon vidéo, nous les Guinéens, nous pensons les mauvais comportements, les mauvais souvenirs, le mauvais souvenir que nous les Guinéens, on a avec ta personnalité. Nous pensons que tu es venu nettoyer cette mauvaise image, cette mauvaise souvenir aux uns de la population guinéenne. Nous pensons que tu es venu nettoyer ton image. Donc, mais on voyait maintenant, au lieu de nettoyer des mauvais souvenirs que tu as laissés avant le temps de Alpha Condé, au lieu de nettoyer les mauvais images qui est sur ta personne, vous venez aggraviter la situation. Cela, c'est inacceptable. La Guinée n'acceptera pas qu'un clan mafia va opprimer des populations guinéennes. La Guinée n'acceptera pas qu'un petit clan va décider l'avenir de 16 millions d'habitants de notre pays. La Guinée n'acceptera pas ça maintenant. Il y a des prix mondiaux, il y a la priorité des populations guinéennes. Aujourd'hui, vous avez laissé la nécessité basique, la priorité des citoyens. Vous êtes focalisé pour votre projet intérêt personnel. Le Guinée n'acceptera pas, on n'acceptera pas maintenant. Ça, c'est dépassé. Nous sommes dans le 21e siècle. Il y a des mondialisations. Il y a de nouvelles technologies, donc il y a des systèmes qu'on peut prendre l'exemple d'autres pays qui n'ont pas la nôtre, le bon exemple qui sont dans d'autres pays, le bon situation de l'État qui est dans un autre pays, le bon situation qui est avec dans un autre pays. Regardez-vous, hein, et je vais vous montrer, vous allez voir. Vous allez voir comment on peut attendre. Vous avez vu. Vous avez vu. Tu as vu, non? Le consultant des Nations Unies, vous avez vu. Je suis membre consultant des Nations Unies. Ça y est, dans les ordinateurs. Tu as vu le message des Nations Unies. Donc, voici. Voilà, l'ONU. Vous avez vu, non? C'est l'ONU, ça. Vous avez vu mon nom ici. Attends, vous allez voir. Donc, voici. Je vais vous mettre à la connaissance que nous sommes là. Ce n'est pas par hasard. Vous avez vu. Tu as vu? Les conditions, tout ça là. Ça, c'est l'ONU. Donc, je suis, nous sommes consultants des Nations Unies. Avec mon organisation, on est devenu consultant des Nations Unies. Vous avez vu, là où je dis mon nom, tout ça là, tu as vu, voilà. Vous avez vu,
Voilà. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance. Nous, on sait que qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit agir. C'est pas parce qu'on parle pour parler. Nous sommes des membres de consultants des Nations Unies. On connaît parce qu'on est devenus les consultants des Nations Unies. Donc, on sait que pourquoi on lutte pour la Guinée, on lutte pour le peuple guinéen, parce que nous sommes là pour l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Donc, quiconque va menacer l'instabilité de notre pays, quiconque va menacer le bon vivre ensemble de la Guinée, il va nous trouver sur le sommet. Voici c'est mon nom qui est là. Voici Fode Diakité, vous avez vu, c'est Fode Diakité qui est là. Donc, ça, c'est pas parce que c'est moi qui veux, et comme je voulais inventer, non, je n'invente rien. La réalité est là. À partir de maintenant, nous sommes devenus, tu as vu, mon organisation, tu as vu le nom de mon organisation, dans les Nations Unies, tu as vu, Messassier pour la défense des droits de l'homme et pour la démocratie. MDDHD. Voilà, ça c'est officiellement légal dans les sièges sociaux des Nations Unies. Si les gens ne comprennent pas, donc intimidation, effrayation, ça ne marche pas avec nous. Parce que, Dieu merci, on a une reconnaissance au niveau de l'Organisation mondiale des Nations Unies. Donc, on a une voix là-bas, on a un accès pour aller dénoncer les faits, pour aller manifester notre mécontentement, pour aller donner des informations fiables sur notre pays. C'est que notre population et ou bien notre continent qui vont vivre l'oppression des privatisations qui vont suivre, nous sommes, Dieu merci, on a des accès là-bas. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance. Donc, si certains pensaient que nous, on va parler seulement pour parler, ils n'ont qu'à se détromper. Ils n'ont qu'à se détromper. Donc, on ne parle pas seulement pour parler. Donc, ça c'est pour vous faire à la connaissance. Donc, nous sommes là. On va défendre ce pays, corps et âme. On va défendre ce pays comme ça se doit. Donc, Mamadou Doumbia n'a qu'à nous donner le jour et de l'heure, quel jour, quelle heure il va organiser des élections. C'est ça que nous, on a besoin. Il n'a qu'à nous dire le jour et l'heure. Parce que le Guinée n'acceptera pas continuer vivre dans les précarités, dans la pauvreté, dans les misères et dans les discriminations raciales, ethniques, etc. Donc, pour vous faire à la connaissance, nous sommes là pour l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Donc, je vous remercie.